Je voudrais, sans la nommer, vous parler de... Bah déjà, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce petit rendez-vous qui s'est improvisé en début de semaine. Et merci. Et donc, c'est organisé par nous toutes au CR. Nous sommes toutes récentes. On doit avoir 15 jours, peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Voilà, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux pour nous rejoindre. On a un groupe WhatsApp et on est en train de préparer la mobilisation du 23 novembre. Donc je peux déjà vous dire qu'il y aura une manifestation à Auxerre le 23 novembre à partir de 14h au commissariat et après on ira au palais de justice et au monument des femmes qui est un peu le trajet des femmes qui subissent des violences sur Auxerre, commissariat. Et palais de justice, pour le monument, on n'espère pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Voilà, je vois qu'il y a pas mal d'officiels qui nous ont rejoints. Et il était question de prise de parole. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui. Un communiqué de la Ligue des droits de l'homme contre les violences sexuelles et sexistes. Procès des violeurs de Mazan. Révélation sur l'abbé Pierre. Viol. Suivi du meurtre de Philippine. Chaque jour qui passe nous montre à quel point la culture du viol imprègne notre société et à quel point l'impunité des agresseurs est forte. Infirmiers, chanteurs, abbés, médecins, employés, acteurs, etc. Il n'y a pas du profil type de violeur. Celui-ci est un monsieur tout le monde. Ces violences sont perpétrées à 96% par des hommes qui mettent en place des stratégies spécifiques pour arriver à leur fin. D'où la soumission chimique au cœur du procès de Mazan. Certains et certaines récupèrent le viol et le meurtre terrible de Philippine, non pour demander des actes et des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment ici la prévention de la récidive, mais pour exiger plus de répression à l'encontre des étrangers, entre guillemets. De fait, leur but n'est pas de défendre les femmes, ni de lutter contre le patriarcat. Ils instrumentalisent la lutte contre la violence faite aux femmes ou aux hommes pour servir leurs objectifs racistes et anti-immigrés. Nous leur disons que nous ne sommes pas dupes. Cette cause ne servira pas leur politique xénophobe. Mais face à la révolution MeToo, où est la révolution institutionnelle ? Contre l'impunité qui progresse au lieu de régresser, pour que la justice soit enfin rendue aux 94 000 victimes de viols et aux victimes d'agressions sexuelles et sexistes chaque année en France, pour que les victimes soient renforcées dans leurs droits, protégées et non maltraitées, que leurs paroles ne soient pas systématiquement déniées, pour qu'enfin les institutions soient à la hauteur du courage des victimes, pour que le corps de celle-ci cesse d'être considéré comme mis à disposition des agresseurs en toute impunité, pour une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles et 2,6 milliards d'euros par an contre les violences, dont 332 millions dédiés à la lutte contre les violences sexuelles. Le 19 octobre, donc aujourd'hui, après avoir été unis et mobilisés, nous serons à nouveau unis et mobilisés pour montrer que nous sommes déterminés à mettre un terme aux violences sexuelles et sexistes par des rassemblements et des chaînes humaines devant tous les palais de justice, en novembre, donc le 23, en décembre, en janvier, en février, etc. Nous serons mobilisés chaque mois jusqu'à ce que nous soyons entendus. En France, une femme est assassinée tous les 3 jours, deux par son conjoint ou ex-conjoint. Les victimes de féminicide ayant déjà signalé des violences ont vu leur plainte classée sans suite dans 80% des cas. 80% des femmes pour viol sont classées sans suite. Moins de 1% d'entre elles aboutissent à une condamnation. La Fondation des femmes estime à 2,6 milliards d'euros par an le budget minimum que l'État devrait consacrer à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France. Aujourd'hui, l'État n'en dépense que 184,4 millions. Le PCF a des propositions pour la sécurité des femmes contre toutes les formes de violence. Et ces propositions, elles sont en rapport avec la journée d'aujourd'hui, le lieu où on est, le palais de justice.
créer des brigades et juridictions spécialisées pour une justice dotée de formation, moyens humains et financiers, à la hauteur des enjeux spécifiques des violences sexistes et sexuelles, en s'inspirant du modèle espagnol. Mettre fin à l'impunité. Établir une liste d'actes d'enquête minimaux sans lesquels le procureur ne pourrait pas classer sans suite une affaire. Mettre en place un dispositif visant à assurer le respect d'une ordonnance de protection par la police. Rendre gratuite l'assistance juridique pour les personnes victimes de violences sexuelles et ou conjugales et informer les victimes de leurs droits dès le dépôt de plainte. Modifier rapidement la position de la France qui refuse aujourd'hui de définir le viol comme un crime dans la directive sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Appliquer la loi Aubry de 2001 relative à la dispense de cours, enfin au fait de faire des cours, d'éducation à la vie sexuelle et affective. Pérenniser le travail de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, et suivre ses recommandations, et non pas éjecter son président. Permettre l'accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie pour toutes les victimes et co-victimes. Chaque département doit se doter d'un centre de psychotraumatologie avec un accueil médico-judiciaire et un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Porter la création d'un protocole européen d'accueil et de respect des droits des femmes migrantes afin de lutter contre la traite des êtres humains et les violences sexuelles subies dans le cadre du parcours migratoire. Enfin, renforcer la loi du 13 avril 2016 relative à la lutte contre le système prostitutionnel grâce à des moyens supplémentaires, humains et financiers, lutter plus efficacement contre les réseaux de proxénétistes, déployer les commissions départementales, augmenter de manière significative le nombre de parcours de sortie, revaloriser l'allocation actuelle, permettre l'accès effectif au logement et au titre de séjour, à une formation professionnelle, à la protection et aux soins. Ça fait longtemps que la moitié de l'humanité est humiliée, bafouée, soumise, qu'on s'en serve comme arme de guerre, comme des couloirs. J'étais hier soir au lancement du collectif féministe qui va demander une loi intégrale, cadre. Donc je voulais vous lire les 10 revendications principales. Il y aura 130 mesures demandées. Revendication 1, une véritable politique publique continue et coordonnée. On ne veut pas juste être considéré par M. Macron et dit comme étant, soi-disant, quelque chose de très important pendant son mandat, on veut une vraie politique. Un investissement annuel de 2,6 milliards d'euros contre les BSS, dont 332 millions contre les violences sexuelles. Revendication 3, de l'éducation et de la prévention. Revendication 4, lutter contre l'industrie pornocriminelle et pédocriminelle et contre la culture du viol en ligne. Revendication 5, une culture de la protection des enfants. Revendication 6, une prise en charge et des soins accessibles pour toutes les victimes. Revendication 7, amélioration du dépôt de plainte. Revendication 8, amélioration de la protection et du traitement des victimes pendant la procédure judiciaire. Revendication 9, une justice en capacité de juger les violences sexuelles. Pardon, j'ai dit qu'elle avait dit. Voilà, vous avez entendu des chiffres, j'en ai entendu deux hier qui m'ont plus marqué que les autres. Parmi les femmes qui vivent dans la rue, au bout d'un an, 100% d'entre elles ont été violées. 100%. Parmi les femmes migrantes qui sont en France et qui attendent leurs papiers, elles ont 18 fois plus de chances d'être violées et de subir des VSS en général. Mais d'être violées, pas juste des violences sexistes. Il y a un autre chiffre que l'on connaît,
parce que la plupart des femmes qui ont subi des VSS l'ont subi pendant l'enfance ou en ont subi pendant l'enfance. Il y a 160 000 enfants chaque année qui sont violentés sexuellement. 160 000 enfants, ce chiffre est connu. La CIVISE a fait son travail, elle en a sorti 82 préconisations. Elle a tellement bien fait son travail qu'on l'a dissoute. On a eu hier le témoignage d'une féministe qui est allée avec un collectif féministe voir M. Macron il y a 7 ans, au début de son premier mandat, pour obtenir une loi intégrale. Il les a regardés et il leur a répondu qu'il n'y en aurait pas. Donc c'est nous qu'on va attendre dans la rue. C'est chaque député qu'on devra aller voir. C'est chaque fois où on devra être là pour qu'on le fasse mentir et qu'une loi intégrale lui en ait. On a longtemps baissé les yeux. J'aimerais bien qu'on ne baisse pas les bras. D'aujourd'hui, il ne faut pas oublier la crise sociale qui s'annonce et c'est les femmes les premières victimes. C'est-à-dire qu'une femme qui devient dépendante économiquement est une femme beaucoup plus vulnérable et c'est la raison pour laquelle il faut aussi se battre pour cette indépendance et ce quotidien pour que chacune et chacun puisse accéder à l'éducation, puisse accéder effectivement à un travail et puisse être indépendante et pouvoir effectivement vers des démarches nécessaires aussi auprès de la justice. On a encore beaucoup, beaucoup trop de femmes qui sont refoulées aux portes des commissariats parce que les hommes, ce sont des hommes qui les accueillent et qui n'y a aucune écoute.